Je rappelle que vous pouvez suivre l'évolution du score sur les panneaux situés aux deux extrémités du central. Puisqu'il les a déjà gagnés. Son équipe, j'ai acheté des tongs.
Cette fois-ci, la réception est bien tenue par Corentin. 8, égalité. Changement de côté. Il faut savoir alterner attaque puissante et attaque placée, petite feinte. Soit juste derrière le filet, soit au fond de terrain. 11, égalité. Yes! Merde! L'équipe n'arrive à se détacher dans cette finale. 13, égalité. Juste derrière la ligne, cette attaque de Raphaël. Et cette fois-ci, c'est l'équipe GHC Letton qui fait un petit break de 2 points. 15-13.
Bien joué. Sur ce point, trois fois 15 égalité dans cette finale du tournoi national masculin. Tout en bas au changement de côté, les joueurs qui se donnent l'occasion pour vous de les applaudir pour cette fin de finale. 15 égalité, rien n'est décidé encore dans cette finale de cette deuxième étape des Estivales de volley-ball. Les Côtes d'Armor, édition 2015. Reprise de la finale avec Raphaël Corps au service. Je vous rappelle, cette finale se joue en un set de 25 points. Juste poussé dans les mains du bloc. Un petit bloc à 17 égalité. Maintenant, on le s'il vous plaît.
Changement de côté, 21-19. Attention, c'est le money time, la fin du set du match. Et encore une salve d'applaudissements pour cette dernière partie de match pour les joueurs de cette finale. 21-19. J'ai acheté les tongs, c'est mieux pour aller à la plage. Vamos, c'est maintenant. Yes, toujours un petit point à l'avance pour l'équipe. J'ai acheté les tongs. 21-29, 21-22. Obligé de prendre des risques. Et c'est la
Troisième balle de match. Troisième balle de match en faveur de l'équipe. J'ai acheté le gang. Et c'est les... Yes. Troisième balle de match au sommet. 26, égalité. Viens pas! Le match est sauvé à nouveau, 27 égalité. De chaque côté, c'est la troisième pour l'équipe. Boîte, requin. Hello, service dehors. Trois balles de match partout. Match très indécis. 29 égalité. Allez, c'est peut-être au public de les partager, ces deux équipes. Balle de match pour l'équipe Requin-Bois du 35. Alors bien sûr le match se jouait en un set de 25 points, mais en cas d'égalité avant 25, je rappelle qu'il faut 2 points d'écart, bien sûr. 2 points d'écart. Remets. Allez. Allez. À vous.
Alors j'essaie de ne pas me tromper dans les comptes. Sixième balle de match pour l'équipe GHC de Tonde. Il faut bien deux points d'écart. Et c'est maintenant la sixième balle de match. Ça fait 6-4, mais ça se joue pas au nombre de balles de match. Il faut 2 points d'écart. 33, égalité. En faveur de l'équipe, j'ai acheté des tongs. Dans le tournoi prestige.